Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour une toute nouvelle méthode pour l'argent freeze. Donc voilà, en tout cas avant ça, un grand merci à vous tous pour les 13 300 abonnés. C'est juste énorme, merci à vous tous. Go maintenant les 13 400. Go rush au plus vite les 14 000 abonnés, je compte sur vous. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à vous tous. Maintenant, pour commencer le glitch, du coup, vous aurez besoin d'être en session sur invitation et vous devez avoir votre point d'apparition, apparition aléatoire, ok? Donc, vous devez aussi avoir un personnage du mode histoire, comme moi, et vous devez aussi avoir l'aide d'un ami à vous qui vous aide. Du coup, votre ami, il devra être en session sur invitation et il devra lancer un travail de titan, ok? Du coup, une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt à réussir le glitch. Du coup, c'est parti, let's go. Allez, hop, donc là, pour commencer, je suis bien en session sur invitation. Et j'ai bien mon point d'apparition, apparition aléatoire. Maintenant, on se dirige en mode histoire. Là, il faudra avoir une étoile. Dès que votre joueur lève les mains, vous faites bouton start en ligne et vous mettez votre curseur sans choisir personnage. Maintenant, là, vous faites bouton PS, vous allez dans paramètres. Vous faites réseau et vous décochez la case se connecter à internet. Une fois que vous l'avez décoché, là vous la recochez et vous faites bouton PS et vous revenez sur le jeu. Maintenant là vous faites une fois flèche du bas, une fois flèche du haut pour que le menu grisé apparaît. Là faudra spam une fois flèche du bas, une fois flèche du haut. Juste attendre que le menu réapparaît normalement. Une fois que le menu est réapparu normalement comme moi, faudra mettre votre curseur sur choisir personnage et vous devrez faire deux fois le bouton croix sur choisir personnage le plus rapidement possible, d'accord? Allez, c'est parti. Là on fait deux fois le bouton croix sur choisir personnage et là on aura un petit message d'alerte, d'accord? Du coup, une fois rendu sur ce message d'alerte, là vous allez faire bouton PS et vous allez faire rejoindre la session de votre ami par la partie vocale, ok? Alors là on fait rejoindre la session, là on attend 8 secondes, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à 8, là on accepte tous les messages comme moi. Maintenant, là vous faites bouton PS et on rejoint le jeu collectif de votre ami. Alors là on rejoint, on aura un petit message d'alerte comme moi. Du coup, sur ce message là, on touche à rien, le message va disparaître tout seul. Ok. Après, on aura un chargement dans les nuages et on va spawn en mode online. Du coup, vous avez vu, c'est là que la manipulation a changé. Du coup, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Du coup, là, une fois qu'on est spawn en mode online, dès qu'on spawn, on accepte le message, d'accord? Alors, là, on spawn, on accepte directement. Là, on aura un chargement, puis on va spawn dans le travail de Titan avec notre ami, ok? Alors, dès qu'on est spawn, donc là, on demande à notre ami qui quitte le travail de Titan, ok? Alors, là, j'ai bien spawn. Mon ami il fait bouton rond et il quitte. Une fois qu'il a quitté, une fois qu'il a spawn dehors, il fait bouton start, en ligne, activité, joue activité, créé par Rockstar, mission et il lance de nouveau un travail de titan. Du coup, une fois qu'il est rendu dans les paramètres, il me le dit, comme ça moi je clique sur l'onglet jouer. Je clique sur jouer, là j'aurai un message d'alerte comme quoi voulez-vous vraiment lancer en solo. Là on accepte, du coup on fait bouton PS. Et on rejoint de nouveau le jeu collectif de votre ami. Hop, on rejoint. Là, on aura un message d'alerte. Du coup, sur ce message-là, on touche à rien. Et on demande à notre ami qu'il quitte. Une fois que mon ami a quitté le travail de Titan, il me le dit comme ça, moi j'accepte le message. Allez, c'est parti. Là, j'accepte. Là, après, j'aurai un second message. J'accepte le second message. Ok. Après, j'aurai un chargement dans les nuages. Où c'est marqué déconnexion de la session. Et vous aurez le chargement qui sera flouté. Ok, du coup c'est normal. Après, une fois que vous avez spawn en mode online,
Vous aurez les petits échos du mode histoire qui seront transférés en mode en ligne. Ok? Du coup, là j'ai spawn. Du coup, là je fais bouton start. Et regardez, j'ai bien les petits échos du mode histoire qui sont bien en mode en ligne. Regardez, j'ai bien le petit S de Siméon. Le petit S de Siméon, c'est un icône du mode histoire. Et pourtant, je suis bien en mode en ligne. Du coup, ça a bien fonctionné. Et j'ai même le palais tactile qui est bugué, vous avez vu? Du coup, maintenant, là, vous vous dirigez vers une péote. Du coup, pour être tranquille, pour pas vous faire tuer. Là, vous faites bouton start. Allez dans en ligne. Vous faites option et vous faites activer mode passif comme moi. Ok? Maintenant, là, vous vous dirigez vers une péote. Du coup, une fois rendu vers une péote comme moi. Là, vous allez faire la flèche de droite pour la manger. Et vous allez faire directement bouton start en ligne et faire trouver une nouvelle session. D'accord? Alors, flèche de droite. Après, directement bouton start en ligne et vous faites trouver une nouvelle session. Ok? Là, vous aurez un chargement. Puis, dès que vous allez spawn, vous aurez une caméra buggée. D'accord? Alors, hop, caméra buggée. Du coup, là, vous faites bouton start en ligne, activité, jouer activité, créer par Rockstar. Mission et vous lancez un travail de titan. Là, vous aurez un chargement, puis vous allez spawn dans les paramètres de l'activité. Une fois rendu dans les paramètres de l'activité, là, il faudra directement faire le bouton rond et quitter. Ok, alors là, je spawn dans les paramètres du titan. Du coup, je fais bouton rond et je fais quitter. Du coup, après, je spawn en mode online dans une session publique. D'accord, alors, et là, normalement, je suis bien en argent freeze. Du coup, pour vérifier. Vous faites palais tactile, inventaire, munitions. Et là, on achète des munitions. Et regardez, boum! Je suis bien frisé, je suis bien en argent freeze. Mon argent ne baisse pas, du coup, ça a bien fonctionné. Ça a bien marché. Du coup, maintenant, pour être tranquille, du coup, vous faites palais tactile et vous me faites activer mode passif comme moi. D'accord? Alors, maintenant, vous faites bouton start. Vous faites en ligne et vous cliquez sur pack d'entrée. D'accord? Alors, pack d'entrée. Maintenant, on descend et on clique sur voir les propriétés. On clique sur bureau de la messe banque. Et là, on clique sur le lien Dynastie 8. Après, on clique sur la petite maison tout en haut. Et maintenant, là, on pourra acheter ce que vous voulez. Vous pouvez acheter tous les véhicules du jeu, vu que l'argent est frisé. Ok? Moi, par exemple, j'ai acheté des Deluxo pour bien vous faire montrer. D'accord? Alors, j'achète. Là, je mets dans un garage. Tac, nickel. Hop, j'achète. Je remplace par un véhicule. Transaction en cours vendue, boum, c'est nickel et l'argent n'a pas baissé. Et vous faites ça en illimité. Et vous remplissez tous vos garages de Deluxo. Et vous remplissez tous vos hangars, par exemple, de Bambushka. Du coup, voilà. Maintenant, pour enregistrer vos véhicules dans le jeu. Là, c'est très important de bien m'écouter, ok? À ne surtout pas oublier, ok? Alors, là, on se rend dans nos garages où on a acheté les véhicules. D'accord, moi, par rapport à ça, le garage de la salle d'arcade. Là, j'ai bien mes Deluxo qui sont bien là. Maintenant, là, on se dirige vers le petit rond bleu et on fait la flèche de droite. Là, on va switcher tous les véhicules. On les switch 2-3 fois pour être sûr qu'ils sont bien enregistrés. Ok, très très important. À ne surtout pas oublier. D'accord? Alors, là, on les change de place comme moi. 2-3 fois chacun. Là, maintenant, vous faites palais tactile et vous changez une tenue pour pouvoir avoir le petit cercle en bas à droite orange qui se fait. D'accord? Et après, vous avez juste à fermer l'application et vous lancez votre jeu. Et les véhicules seront bien là. Après, vous pourrez les revendre. Du coup, voilà. En tout cas, les gars, moi, je voulais sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!